Bonsoir, bonsoir. Easy tip for going viral on TikTok. Bonsoir. Bon. Je fais rapidement cette vidéo ce soir parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de travailler, c'est une période de dépression. Et cette dépression vient du fait que vous avez osé croire que vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc bonsoir, bonsoir. Donc je prie que les paroles que je vais dire vous réveillent, que ça vous remette sur les rails. Il y a de cela quelques temps, quelques mois, quelques années. Pour certaines personnes, ça a pris des années. Et vous avez émis le désir de devenir très riche. Mais vous aviez des blocages. Vous aviez des choses qui vous retenaient. Certains d'entre vous, c'est familial. Certains d'entre vous, les membres de ta famille, voilà. Tantine et oncle, c'est comme ça que vous êtes, sont tous bloqués par un train de choses. Donc tu te retrouves au milieu et sans savoir comment, tu succombes, tu subis. Tu tombes sur mes vidéos ou encore, même avant moi, tu as écouté, vous avez tous écouté du Napoléon Hill. Donc, vous aviez la spiritualité. Donc, vous aviez la spiritualité, avant vous étiez juste dans l'église. Et j'ai une amie même qui me disait une fois, elle est fatiguée, son mari l'accompagnait souvent à l'église. Il était fatigué de voir que dans le parking, il n'y avait que sa voiture qui était la plus costaud de voiture, la plus chère. Donc, vous avez essayé le coaching, vous avez essayé l'église seulement. Et vous saviez qu'il y avait quelque chose qui manquait. Bless me. Vous saviez qu'il y avait un facteur manquant. Bonjour La Paz, Doline, bonjour Lady, bonjour, bonsoir Alexis. Bless me. Au départ de votre, tu vois, quand il y a cela 5 ans, tu es tombé, tu t'es dit, tu étais dans une, tu venais de rompre et tu t'es vu riche. Tu as su que tu peux devenir riche. Ou bien tu as vu pour la première fois une Lamborghini. Tu as dit, je veux cette voiture. Ou quand tu as vu la Mercedes, tu vois la costaud de Mercedes là. Tu dis, je dois avoir la voiture là. Tu ne savais pas qu'il allait avoir un chemin. Tu ne savais pas que le chemin allait, voilà. Maintenant, après avoir fait le coaching, tu t'es posé des questions. Tu as demandé les secrets de la fortune, de la richesse. Je me rappelle quand j'écoutais Napoléon Hill. Et quand il raconte son histoire, il dit bien, il a traversé des périodes où il... Lui-même, il a souffert.
pendant qu'il écrivait, Think and Grow Rich, réfléchissez à devenir riche. On ne l'a pas payé pendant presque quoi, 15 ou 20 ans. Mais quand le moment de l'argent est venu, maintenant je viens aujourd'hui pour vous raccourcir le chemin. Toutes les années où je n'arrivais pas à connecter, c'était moi le problème. Et je vais vous dire comment j'étais le problème. Bonjour TikTok. Premièrement, je laissais toujours mon entourage me dicter mes envies et mes actions. Oh, tu veux la grosse voiture là? Tu as vu qui dans notre quartier qui veut ça? Même la voiture, c'est pas la voiture, c'est pas un signe de richesse. Pour moi, tout ce que j'achète ou j'acquiers, c'est je dois faire un travail avec. Si c'est que je travaille de la maison, j'ai pas besoin de voiture. Parce que tous les jours, je serai à la maison. Je vais acheter la voiture. Pourquoi? Donc, parfois, vous vous retrouvez en train de désirer des choses parce que vous voulez impressionner ou montrer aux gens que vous avez réussi. Ton succès, ma chérie. Parce que quand tu atteins un objectif, tu as envie d'aller atteindre l'autre. Tu as seulement envie. Donc, moi, en fait, quand je réalise un rêve ou quelque chose que j'ai déclaré il y a cela 2-3 mois, je ne suis même plus sur ça, hein. Le jour où moi j'ai acheté ma voiture là, quand c'est arrivé, j'ai regardé, j'ai dit, oh non, next. Pour moi, c'était déjà manifesté. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes tentés de vous laver avec le sel. Vous voulez bien tester ce que j'ai dit. Qu'est-ce que mon mari va penser? Il va dire que la fille que j'écoute tous les soirs, c'est que je commence à croire ce qu'elle dit. On me voit le pipi dans la douche. Non, mon mari va se moquer de moi. On me voit dire que pas à la mer pour faire l'offrande. Non. Mmh. Non. Mmh. Moi, j'ai trop cherché à plaire aux gens. Est-ce que je peux vouloir la voiture là? J'ai le droit de vouloir ça? Am I allowed to have that car? Am I allowed? Je veux devenir une star. Est-ce que je peux? Can I? Premier frein, premier ralentissement. Am I allowed to? Est-ce que j'ai le droit? Et quand tu regardes, la personne ne paye pas ton loyer. La personne-là ne rationne pas chez toi. La personne-là t'a appelé aujourd'hui pour savoir ce que tu as mangé. Voilà le premier qui est passé. La personne a payé ton loyer. Voilà, justement, je précise qu'il y a des gens qui se passent pour moi. Merci beaucoup, Hervé. Donc, tous les contacts sont sur la page. Si vous êtes assoiffé, on vous dit que vous allez te consulter à 5000 francs. Vous dites, waouh, tout ce que je fais, j'annonce ici. Donc, si vous partez, les gens là, les Béninois vous arnaquent, vous envoyez l'argent au Bénin. Les Béninois là vont vous consulter, ils vont vous aider. Ce sera pas moi. Les seuls numéros sont les suivants. Prenez de quoi noter. Bonsoir TikTok. Tu demandes trop la vie. Je peux avoir la Range Rover? On dit non, la Starlet, c'est bien pour toi. Comment est-ce qu'ils savent ce qui est bien pour toi? How? Parfois, quand je vois quelqu'un veut m'arrêter dans mon élan, je dis, quand je galérais, tu n'étais pas avec moi. Quand il marchait sous le froid, est-ce que j'étais là? Non. Pourquoi quand j'ai commencé à gagner mon argent? Vous avez de quoi noter? Parfois ils te disent, fais attention, hein. Fais attention, tu sais.
avec le ton aigri. Fais attention. Parce que vraiment, on ne sait jamais, hein? Jamais. Faites attention à ces gens. Et généralement, quand tu parles à ces personnes-là, il y a toujours un esprit de peur qui te passe. Tu vois, la personne avant d'arriver, tu restes, écoutez, hein, vous connaissez comment vous motiver seul. Écoutez, vous, donc, tu connais comment te lever, tu te motives, tu te dis que lève-toi, fais ça. Et le genre de personne à qui elle arrive, ou qu'elle te parle en disant qu'elle veut t'aider, entre guillemets, quand elle finit de parler, tu sens comment ton esprit est cassé. Ouais, j'ai là dit que je modais un peu. Je viens, ça fait seulement un an que je suis en France, non? Pourquoi je crois que je peux ouvrir le magasin? Ah, non, je ne peux pas ouvrir le magasin maintenant, tu sais. Je n'ai pas encore le... la personne, je ne sais pas. Parce que la personne va venir mettre ses limitations sur toi. Good evening, big baby. La personne vient de mettre... Tu veux faire TikTok? TikTok, là, c'est pour les enfants. Hein. Vraiment. Il n'y a pas l'argent sur TikTok. Concentre-toi ici en France. Tu viens d'arriver. Va te chercher le travail dans le noir. Ou alors le travail dans le blanc ou c'est dans la lumière. Oh, oh. Trouve d'abord ton petit travail. Après, tu trouves ta petite chambre. Hé, hey, j'aime pas le mot petit. Jesus is Lord. Tu sais, ici là, on va pas à pas. Hein. Après, on ne sait jamais. Hein. Va, occupe-toi de mes enfants. Tu vas les prendre à la crèche. Quand tu finis le travail là. D'ailleurs, tu ne peux même pas louer la chambre ici. Quand tu n'as pas les papiers. Ma chérie, va en ligne. Si tu es en France, écris le bon coin. Et parfois, certains d'entre vous, là, vous n'avez pas le cœur du lion. Moi, là, j'ai le cœur du lion dans mon poitrine. I got the heart of a lion. Oui. Je pars, je cherche, j'arrive. Bonjour, monsieur. Voilà. Voilà, monsieur, je vais vous dire la vérité. Honnêtement, je viens d'arriver. J'avais seulement 3 semaines de titre de séjour et ça s'est terminé. Donc voilà, entre-temps, je vends des trucs en ligne. J'ai ma page TikTok. Voilà, monsieur, me voilà. Ouais, c'est moi ici. J'ai 20 000 vues ici. J'ai l'intention de devenir très célèbre. Bon, je sais que pour l'instant, c'est juste une passe. Et entre-temps aussi, je pourrais faire de la nourriture les week-ends. Donc je vais payer le gaz de la maison. Ça va, je vais payer. Voilà, donc je n'ai pas de titre de séjour, donc je voudrais que vous sachiez. Est-ce que vous pouvez me permettre donc d'aménager chez vous? Voilà. Oui, en passant, monsieur, j'ai 1 mois et demi de loyer. Disons, 1 mois, vous pouvez prendre comme la caution. Et vous me donnez 2 semaines, je vais encore vous trouver l'argent pour compléter le dessus. Si tu dis ça à 10 personnes qui ont... Écoutez, hein, quelqu'un qui est riche peut lire dans les yeux de quelqu'un qui sera riche. Votre problème, c'est que vous marchez avec les pauvres, pauvres, pauvres. Ouais, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Nazareth. Vous marchez avec les pauvres, pauvres, qui ne peuvent pas reconnaître la richesse dans vous. Annie, c'est ta part là-bas. Lève-toi, Annie, tu peux parler avec 50 personnes. Est-ce que vous croyez que tout va venir comme ça? Moi, j'ai vendu mes produits dans les magasins français. Je n'avais pas les papiers. En Angleterre, pareil. J'ai loué les maisons en Angleterre. Je n'avais pas les papiers. Il y a un bailleur que j'ai marché derrière lui pendant 2 ans pour qu'il me loue sa maison. Parce que vous aimez montrer que vous connaissez l'Europe.
tu es arrivé, on t'a dit que tu as fermé dans ta tête. Allez voir les gens qui ont réussi. Allez voir le monsieur qui a ouvert KFC. On lui a dit qu'il ne pouvait pas. Vous voyez combien de portes il a toqué. Et si il est. Moi, je suis l'exception de la règle. Je déclare Hoha. Même à Dubaï, je suis l'exception de la règle. Un jour, une de mes filles me donne un témoignage. Ça devait être en 2020 comme ça. Juin ou juillet. Elle était chez une tanticone ou bien sœur ticone qui la retenait comme ça en Belgique. Elle passait le temps à s'occuper des enfants. Un jour, je lui dis que sors. Tu es là, tu n'as pas les papiers. Sors, tu marches, tu cherches, tu parles aux sous-gens. C'est quoi ces affaires-ci? Elle disait, les enfants de ma sœur, les enfants de ma sœur. Elle a trouvé le... Elle a cherché d'abord la maison. C'était la maison ou le boulot. Elle a trouvé le boulot d'été. Et c'était son dernier été avant qu'elle perde ses papiers. Parce qu'elle avait échoué 2 ans d'affilée. Elle savait que là où c'est là, c'est mort. Mais papa vont finir. Continue à dire qu'ils refusent le logement. Écoutez, Annie, ils vont refuser pour toi. Annie, comme tu dis que tu es convaincue là. Hein? Je parle aux blancs avec mon accent babylé. Que tu crois qu'ils ne connaissent pas les Africains? Parce que vous avez peur. Vous vous cachez. Est-ce que vous savez que le blanc lit l'énergie? Vous pensez que les blancs sont bêtes? Hein? Il va voir ton âme. C'est parce que quand tu es devant lui, d'abord tu fais comme ça, tes yeux fuient. Non, tu le regardes dans les yeux, tu le salues. Il a peur de toi. Quand tu un jour tu peux le sentir, il peut le sentir, tu vas le tuer maintenant dans sa chambre. Il te donne ça, sa maison, tu voles même ses choses. Bonjour monsieur, bonjour. Oui, écoutez, quelqu'un qui est riche, que c'est lui-même qui a cherché sa part. Il peut voir la vérité dans le cœur de quelqu'un. C'est pour vous là-bas. Et tu peux même voir quelqu'un, c'est pas que financièrement il est aisé, mais c'est quelqu'un qui est arrivé là-bas, il s'est construit. Et je ne vais pas vous mentir, la sincérité, l'autre là, donc en laissant même tout ça là, je vous mets seulement la sincérité. Elle a trouvé son job d'été. Après un jour, elle reste là, elle voulait déménager de chez sa soeur. Elle a fait une offrande, la période là, elle dit vraiment, ça c'est pour trouver le logement. Un jour, elle dit à son employeur que voilà, elle cherchait un logement. Bon voilà, elle arrive souvent en retard au boulot parce que. Le monsieur lui dit, bon voilà, j'ai un de mes appartements de 3 chambres là-bas. Je peux te donner une chambre, tu restes là-bas parce qu'on est en train de rénover pour 3 mois. Reste là-bas 3 mois gratuit pendant que tu cherches ce que tu vas faire. Et t'as su, le monsieur lui a donné. Elle a vécu dans son tour de vacances 2 mois et demi. Elle n'a pas payé. Quand je vois Eolia, comment attraper le bon? Parce que tu vous êtes derrière la personne, vous cherchez seulement. Tu calcules l'argent de la personne. Oh my God. Est-ce que vous savez que les gens, quand tu es derrière un homme pour l'argent, est-ce que tu connais qui connaît? Est-ce que tu connais qui connaît? Oh là là, je n'ai pas ma peur de quelqu'un. Hein. J'étais en Angleterre, j'avais 26 ou 27 ans. Voilà, Blanche Neige, qu'est-ce que les blancs lisent aussi l'énergie. Ils portent aussi les bracelets en fer et en pierre. Mais oui. Ah non, les blancs ne connaissent rien. Ils sont bêtes. Vous vous trompez. Pour moi, quand je vois quelqu'un qui a réussi, et moi, il n'est pas encore réussi, tu as quelque chose que tu connais que je ne connais pas. Mais il ne faut pas qu'ils croient que je suis sage, tu es bête. Et c'est ça le problème des noirs quand vous arrivez là-bas. Vous prenez tous les gens qui sont là-bas pour les bêtes, les idiots. Le papa là, j'avais une maison. Je vous dis que quand vous connaissez tout ce que quand j'avais pas les papiers en Angleterre, je louais une maison, je mettais les gens dans les chambres. Et moi-même, j'occupais une chambre, donc je ne payais pas mon loyer, n'ayant pas de papier. Donc, il y avait une chambre, une maison. J'étais au 73. La maison là, c'était 70. Et la maison là me plaisait. C'était plus grand que 70, 73. J'ai donc calculé, je parle, je vois la plaque dehors, allouée. Je cherche l'agent immobilier, je visite, ça me plaît. Dès qu'il parle au bailleur. Et il y avait un gars qui, un homme a tout fait, qui faisait les réparations dans la maison. Je sais pas, je lui parle, je dis, tu connais le bailleur de la maison aussi? Il dit oui. Que non, lui là, c'est un ancien juge. Et tu connais qu'un juge, hein? Un juge, hein? Il peut scanner le bandit. Il regarde et dit que you, passe comme ça là. You, fais comme ça.
J'ai mis au moins 6 mois avant que j'ai pu voir le juge là. Je viens, je lui fais ma proposition de business. Je lui dis que voilà, regarde, tu vois la maison qui est de l'autre côté de la route, non. Il dit qu'une petite fille comme ça là, 26 ans, tu peux me donner la grosse, la grande maison de 5 chambres aussi là. J'ai parlé. J'ai le conjoint, j'ai dit que give me your house, you know. I'm going to take it, I'll pay your rent on time, you know. And j'avais l'accent, non. J'avais moi mon accent le temps là. Il dit non. 6 mois plus tard, la maison encore là. Je reviens encore le voir. J'ai fait 18 mois. Un jour, le père, je n'avais pas de papier, s'il vous plaît. Le père là m'appelle, il me dit. Il avait peut-être 82 ans. Je vais te donner la maison. Et quand il m'a donné la maison, je lui ai expliqué que j'allais louer les chambres. J'aime pas dire que, puisque tu peux avoir une fille qui est seule, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de boulot, elle ne te présente pas de payslip, rien du tout, pas de fiche de travail. Tu crois, elle va. Bien évidemment, je lui ai dit que je vais louer les chambres. Je vais faire les travaux, je vais arranger ta maison. Je vous assure, j'ai pris la maison de monsieur là, j'ai arrangé sa maison. J'ai arrangé le gazon, le jardin derrière, j'ai arrangé la cuisine. Donné la maison le premier mois, j'ai d'abord donné la caution qui était 700 pounds. Je lui ai dit que je reviens signer dans 3 semaines. Et quand je signe, je donne le premier mois de loyer parce que sur moi j'avais peut-être 1000 pounds et il fallait que je meuble la maison. Donc je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment j'ai fait pour meubler. Si vous êtes intéressé, il y a beaucoup de personnes qui disent que peut-être que raconte-nous et je peux raconter. Mais le monsieur m'a confié sa maison. J'ai géré cette maison pendant 1 an et demi. Et la période là, quand je prends sa maison, je tombe sur Airbnb. J'étais sans papier, je vivais comme une pa... Ou c'est quoi là? Oh, Airbnb, que tu m'as fait du bien. Oh, you did me good. In 2016. You did me good, Airbnb. Oh, Jesus. Imagine, tu loues 4 chambres en Airbnb. À Birmingham, en Angleterre. En plus, c'est une époque où les gens migraient de les Italiens, les Espagnols. Ils migraient beaucoup pour venir en Angleterre. Donc, vous devez avoir confiance au fait que... Parce que le problème, c'est que quand vous arrivez dans une ville, vous arrivez dans un pays, ou bien vous avez un rêve, les gens qui vous accueillent ou qui écoutent votre rêve, généralement, ils ne vous voient pas très haut. Donc voilà, tu es arrivé ici à 45 ans. Il n'y a que l'asile qui peut t'aider. Hein. Il faut que tu tombes enceinte. Bon, quand tu as 45 ans, là, pour tomber enceinte, là, ben, peut-être ça sera même dur. Donc voilà. Voilà comment tes problèmes commencent. Supposons, tu regardais mes vidéos, tu arrives en France, personne ne t'abrite, personne ne te prend chez lui. Donc tu es seul. Nuit et jour, tu écoutes mes vidéos. Tu es en France, tu crées un crédit. Un produit, pardon. Tu te mets à la maison, tu prépares le héros, tu pars vendre, tu prépares les... Je ne sais pas quoi. J'ai parlé tellement de mon business de croquettes que j'avais commencé en France et en Angleterre. Si bien que l'autre jour, j'ai consulté une dame, elle me dit que quand elle m'a écouté dans la nuit, ça l'a tellement chauffé que... Elle me dit, je suis dans ma voiture, j'ai pris tous mes ingrédients de croquettes, j'ai trouvé une copine avec laquelle je vais faire. Donc, après la consultation, on va lancer le business de croquettes. Je lui ai dit, tu fais bien. Mais ton seul problème, c'est que... Tu as mis une autre personne dans ton business. Quand tu as vu quelque chose, supposons que tu t'es mis toute la nuit, tu as écouté les vidéos. Ça fait 3 semaines que tu m'écoutes, ça fait 2 mois que tu m'écoutes. Tu te laves au sel, tu parles sur ta vie, tu manges le don, tu fais ceci. Ouais, tu te laves avec ton pipi le matin. Tu fais ça. Touchez, goûtez-vous. Goûtez-vous, je suis sûr que vous goûtez le sel. Ton mariage, la fille de la Belgique, j'ai dit que finalement elle a trouvé le logement. Le monsieur là lui a dit qu'elle peut habiter dans un de ses appartements gratuitement. Donc elle a fait 2 mois et demi dans son appartement pendant les vacances. C'est quelqu'un qui avait le restaurant. Donc il avait sûrement des business. Et elle était juste une étudiante qui allait bientôt perdre ses papiers. Les personnes que vous impliquez dans vos décisions ne connaissent pas ce que vous avez traversé. Certains d'entre chez eux, ils dorment, ils sont sur TikTok, alors que vous êtes en train d'écouter les choses qui vont vous motiver et vous construire.
Tu ne dors pas la nuit, tu passes ton temps dans les livres audio. Tu es dans les livres audio. Donc, quand j'ai ma cam, tu dois être pauvre. Quand tu dis que rien n'est impossible à Dieu, cherchez Dieu en esprit et en vérité, il veillera sur vous tous et tous vos projets. Ça, tu dois être pauvre. Ça, c'est les commentaires des pauvres. Ouais. Je pense bien. C'est ça. Bonjour. Mais oui, Blanche-Neige. Ah, c'est bien comme tu observes les blancs. Elle dit, j'ai constaté que les blancs font aussi les coutumes. Quand tu pars dans leur cimetière, tu confirmes. J'ai pour le temps de bien observer. Ils sont trop fidèles. C'est nous qui négligeons. Et ils utilisent beaucoup les bougies pour les rituels. Vous allez comprendre que le blanc ne domine pas le noir pour rien. Je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là ce soir. Tous les bracelets, c'est que c'est maintenant que tu connais. Voilà les bracelets, cette chakra-là. Maintenant que tu es au courant de ça, non? N'est-ce pas? Le blanc, le sasa de fleurs. Ce qui me plaît avec le blanc, est le blanc assidu. Hey, donc, quand c'est la pauvreté, t'es gêné, yeah, Seigneur, je me réjouis en Jésus. Tu vas même jouer en Jésus. Je me réjouis en Jésus. Quand quelqu'un est pauvre, il passe sur ma page, ça m'énerve. La pauvreté fait, tu regardes les gens, tu les juges justement. Pourquoi tu as la grosse voiture? Donne ton cœur à Jésus. Pourquoi tu as la grosse maison? Répands-toi. Ce n'est pas mon sujet de ce soir, tu as compris? Je vais te bloquer une fois. Donc je continue ce que je disais. Vous devez faire attention aux gens à qui vous partagez vos projets. Ouais, okay. Combien il y a trop les pauvres dans mon direct ce soir? L'objectif dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ça, c'est encore notre pauvre. Je connais les commentaires des pauvres. Hein. Je suis désolé, je peux vous lire à distance. Quand quelqu'un est pauvre, là, sa façon de parler, genre je vais manger ma pauvreté, je vais mourir, je vais boire de l'eau, je vais mourir. Blanche-Neige, même les rituels à l'eau, les blancs sont champions. Voilà. Vous avez compris, non? Quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Observe autour de toi. La première chose, c'est que tu demandes l'autorisation aux gens autour de toi. Le truc, c'est que les choses qui vont te faire avancer, Dieu t'a déjà suggéré ça, mais tu as laissé. Dieu est venu te dire, tu viens d'arriver en France, non? J'ai une de mes filles là. Elle est arrivée en France. Elle est en quarantaine. Excusez-moi. Elle est en quarantaine. Et je lui ai dit que je ne sais pas ce que tu fais chez ta cousine. Si c'est ton cousin, si c'est qui t'héberge. Supposons, tu arrivais, tu ne connaissais personne là-bas. Et que tu allais mourir. Youms, bienvenue. On retourne tous progressivement vers notre racine. Je lui dis, ma chérie, et quand ces personnes-là vont parler, ils vont mettre la peur dans ton esprit. Parce que quand tu as peur, tu ne vas pas parler, tu ne vas pas agir. Écoutez, aucun pays ne peut vous limiter à chaque temps. TikTok n'a pas de limite. Quand vous m'écoutez comme ça, vous savez que je suis où? Hein? On vous a donné les outils, vous ne disiez pas. Vous savez que je suis où? Ça n'a pas d'importance pour vous, non? C'est ce qui sort de ma bouche qui vous importe, non? Voilà. Il y a même les choses que tu connais faire. Tricoter, faire le couscous sauce gombo, faire les coups de cuisson. Tu sais combien de blanches sont mariées avec les Africains et que YouTube ne leur suffit pas? Est-ce que tu connais? Vous avez le big pour noter, j'ai demandé le big tout à l'heure. Je vous donne le numéro. Le numéro, c'est le 00237-680-71-07.
01. Je ne suis pas à Libreville, je suis à Douala. Je suis à Douala, je suis à Yaoundé, je suis à Abidjan. 680-71-0701. Le deuxième numéro, c'est le 693-50-22-66. 693-50-22-66. Troisième numéro qui est celui de Yaoundé. 655-310-750. Il y a les gens qui se mettent au Cameroun, à Bafoussam. Ils offrent des services aux gens à Washington. En fait, je ne sais pas quelle est votre excuse. Je ne sais pas quel est votre problème. Non, tu sais, moi, je viens d'arriver. Écoute, ma chérie, si tu as dominé le pays là où tu étais avant d'arriver dans le nouveau pays là. Pour Abidjan, vous contactez le numéro du Cameroun. On vous envoie les produits à Abidjan moins cher. Je dis que si tu as dominé au Cameroun à Douala, si tu t'en es sorti à Douala jusqu'à c'est toi qui as payé ton billet pour partir. Tu vas arriver à Washington, tu vas t'en sortir. C'est vous qui mystifiez les pays. Ah non, quand même, ça c'est New York. Eh. Hey, c'est New York. Eh. New York quoi? Hey, hey, c'est quand même Paris. Eh. Paris quoi? Moi, je parle toujours du fait que il y a quelque chose que je sais faire. Que quelqu'un là-bas dehors a besoin. J'ai beaucoup de choses. Quand vous faites les ateliers de vente, comment vendre aux clients? Vous savez que j'ai appris ça où? Quand je faisais mes croquettes, je marchais avec vous vendre. Vous savez que j'ai appris à vendre comment? J'ai taclé. J'ai taclé. J'ai taclé. La lecture du client, quand tu vois le client en avance, tu vas avoir de mauvaises humeurs, genre là. C'est comment non, c'est ton gars. Oui, il dérange. Laisse-la parler, laisse-la parler. Parce que les êtres humains, là, le cœur qui est dans là-dedans, ça bat dans ta poitrine. Celui qui est là-bas à Washington, le cœur bat dans sa poitrine. Le noir, le blanc, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Avec les émotions. Avec les émotions. Donc arrêtez vos choses là. Ah, tu sais. Et quand vous venez d'arriver, est-ce que vous savez qu'il y a les gens dans les pays où vous arrivez qui sont jaloux de vous parce qu'ils ne veulent pas que vous baissiez. Ils ne veulent pas que vous baissiez plus que eux. Quand j'arrive quelque part, je m'isole de tout le monde. I don't need you, man. Laisse-moi aller dormir dans la voiture ou bien je prends Airbnb, même. Je ne sais pas. Let me alone, man. Tu vas économiser 20 euros sur la chambre d'hôtel. Tu vas aller dormir. Les gens vont voler ta vision. On va te planter les idées. Dans la nuit, tu dors. Dieu te montre comment tu pars dans telle rue. Dans tel endroit, tu proposes tel truc. Tu te réveilles le matin. Et tu sais, Jacqueline, je voulais quand même partir. Est-ce qu'il y a les endroits où je peux vendre mes croquettes dans ta ville? Non, moi j'ai essayé le business de croquettes. Ça fait 3 mois. Ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas. On a même scellé la boutique d'une femme là-bas parce qu'elle voulait elle vendait les croquettes d'une femme comme toi qui voulait vendre clandestinement. Non, il faut laisser. Alors que tu as vu dans le rêve, dans la nuit, comment tu vendais les croquettes. Ah, chakarababo, chantez les bossa. Oh Seigneur, si vous pouvez savoir comment je veux que vous sortiez de votre fou. Votre entourage vous tue. Je voulais lancer le restaurant. Tu sais, je vais faire mon petit restaurant à Douala. Non, Douala est saturé avec la nourriture. Non, on a fait ça. Non, faut laisser. Pas même fait dans. Tu dors la nuit, tu te vois en train de servir les gens dans la nuit. Tu sais, tu as la mamie, tu sais, les gens. Ils viennent beaucoup. Ils viennent. Tu te réveilles le matin, tu peux dire à sorcier Karamba. Tu peux dire à sorcier Karamba. Oh, Jesus is Lord. Ouais, la pauvreté, oh Seigneur, TikTok, je vais tout voir sur TikTok, vous savez. Ouais, Seigneur.
quelqu'un charge son, les unités dans son téléphone. Parce que c'est que tu es pauvre. Tu viens, tu me regardes, après tu commences à m'insulter. Ouais, Seigneur, la pauvreté n'est pas bonne. Tu as dépensé tes 100 francs de crédit. Tu vas comme, tu as moyen quoi ce soir? Écoutez, le trou, c'est l'illusion. Le trou dans lequel tu crois là, que tu es. Peu importe ta ville, mettez votre ville là, mettez-le, écrivez-moi d'où vous me suivez. Je vais vous dire. Si quelqu'un ici pense que son cas est gâté, écris-moi ta situation. Je vais te dire comment tu vas faire pour sortir de là. Et Eolia répète, je n'attends même pas les aides de destinée. Je n'attends même pas que quelqu'un vienne m'aider. Hein? I'm my own help. Je m'aide moi-même. S'il vient dans 5 ans, tu vas galérer 5 ans. La galère n'est pas sucrée. Luxembourg, Abidjan, Sénégal, Paris, Brazzaville, France, Espagne, Casablanca. Je sais que vous n'aimez pas qu'on sache que vous n'avez pas les papiers. Si tu n'as pas peur de dire que tu n'as pas les papiers, ceux qui n'ont pas les papiers, là, dites-moi que vous n'avez pas les papiers. Belgique, Abidjan, Pointe-Noire. La France, le Gabon. USA, Gabon. Voilà, elle n'a pas peur de dire elle n'a pas les papiers. Voilà. Écoutez. Écoutez. On vous a toujours dit que dans le pays où vous êtes, il y a les choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous n'avez pas les papiers. Ça, ce sont les atteintes pour tuer votre rêve. Dès que tu rêves que bien, excusez-moi, j'ai tous les termes, moi. J'ai réfléchi dans ma tête toujours les mots comme ça là. Bien, que tu ping, comme ça là. Dès que tu te vois comme ça là, tapis rouge à Cannes, Beyoncé peut-être qui reposte ta danse, tu aimes la danse, mais tu ne t'es jamais vraiment mis dans la danse. Maroc, Grèce, Tirana, Turquie. Je vais prendre la Turquie. Oh, la Turquie. J'ai aimé le pays là. Le pays là m'a aimé. Je suis arrivé en Turquie le premier jour que j'arrive. On me dit, les Turcs sont racistes. Hein. Les Turcs. I'm from Cameroon, but I'm a citizen of the earth. I don't see myself as. Je ne me vois pas comme Camerounaise. Je ne me vois pas comme Camerounaise. Je ne peux pas arriver dans un pays où on me refuse. On me refuse pourquoi? Hein? Moi, la lumière, ce que j'ai sur moi là. La Turquie, hein, ils sont racistes ici. Hein. Faut faire attention. Hein. J'ai appris à dire. Attends, ils ont une façon de dire merci là. J'ai oublié. Ça fait au moins 4 ans que je suis là-bas. Teşekkürler là. Oh my god. Les Turcs là, dis-moi comment on dit merci là-bas. Donc, le premier jour, une femme m'a guidé, était mon guide. Et quand on sort de la maison, elle devait m'amener au marché. Elle me prépare d'abord que les Turcs sont méchants, ils sont racistes, ils sont coco. Quand elle me disait ça, je la regarde seulement comme ça. Moi, dans ma tête, je me disais non. Non, ça ne peut pas m'arriver. Je vous assure, les 2 jours que j'ai passé avec la femme là, on les. Donc, c'est comme si j'avais un esprit de rejet sur elle. Elle arrive quelque part, on l'insulte. Elle demande quelque chose là, on ne lui répond pas. Et donc, partout où est passé, les Turcs la traitaient mal. 2 jours plus tard, celui qui m'a reçu, qui devait me mettre mon guide, mais les 2 jours-là, il travaillait. Donc, il s'est libéré. Le jour où on devait sortir ensemble, il avait d'abord le soleil. Différence avec la fille-là. Teşekkür. Non, Teşekkür. 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 Je ne sais plus. Il y avait Merhaba. Merhaba, c'est bonjour, non? J'ai oublié beaucoup de choses. Il faut que je me rappelle. Il me dit, tu sais, j'aime trop la Turquie. Oh, les gens sont ouverts ici. Et je rappelle que la première femme ne connaissait pas parler le turc. Donc, le deuxième jour, je sors avec le monsieur là. Les petits enfants viennent vers lui. Hey, hey, il est salué, il parle le turc avec eux. Les deux sont noirs. Et le gars était même plus noir que la fille. La fille avait fait le dansant. Je te regarde, j'ai dit, mais attends un peu. Ça fait 2 jours, je suis avec une femme ici. La personne ne lui parlait en route, non. Les enfants viennent vers lui. Voilà, c'était chez Kourla. Voilà.
Les enfants viennent me dire, hey, je vois, moi, il pousse le ballon sur l'autre enfant. Je dis, ok, j'observe. Il m'amène à la plage. On fait les photos avec les gens. On fait les photos. On peut en manger. Un monsieur nous voit même. Il était en train de faire le pique-nique avec sa famille. Il nous appelle. Il nous donne le poulet. On mange. On mange. Je vous assure, le troisième jour de ma sortie, les gens ont couru pour me faire le pour se filmer avec moi. Et une même me voit. Elle fait photo, photo, photo. Elle prend son petit garçon comme ça là. Il avait peut-être 8 ans. Il se met à côté de moi, il fait comme ça. Après, il se filme, il regarde la photo, il est content. Il est content. Écoutez, hein. Écoutez. Je sais que quand je parle mes choses, c'est toujours un peu bête pour vous. J'ai marché deux jours différents avec deux personnes qui voyaient un pays comme avait les ouvertures et un autre pays comme fermé. Et les deux personnes avaient le résultat de ce que ces personnes avaient dit. Un jour, je suis sorti, je me suis arrêté. Il y avait trois hommes. Ils croyaient que c'était Rihanna ou je ne connais pas. Hey, photo, photo, photo. On me voit. Bonjour. Hello, hello. Je commence. Écoutez, peut-être tu m'écoutes en Turquie. Tu dois accueillir. Je vous ai montré un rituel à faire avec la terre, sur la terre. Tu prends la boisson, tu verses, tu demandes aux ancêtres de la terre, là où tu es, de t'ouvrir la porte. Tu peux être dans le pays où tu es, tu souffres financièrement. Parce que tu as bloqué ta tête. Parce que la personne qui t'a pris à l'aéroport pour t'amener dans ta chambre où tu devais partager avec 4 personnes là. La personne t'a dit, tu sais, ici là, les Arabes, c'est là, ils sont méchants. Hein. Faut faire attention, ils sont trop racistes. Voilà ton image que tu as eue là-bas. Alors que si tu tombais sur quelqu'un qui arrive, il te prend à l'aéroport avec une grosse voiture. Tu dis, un noir qui a la grosse voiture dans le pays ici. Il t'amène, tu manges chez lui le jour là, comme ça, jusqu'à. Hey, tu dors, tu te réveilles le matin, il y a les ménagers chez lui, il y a la nourriture dans le frigo. Tu dis, mais on ne souffre pas dans ton pays ici. Oh, mais non, la prospérité commence dans ta tête. D'abord, Amako et le Togolais à Dubaï. Bonjour. Ce que vous devez faire, peu importe le pays où vous vous trouvez, faites la libation, je vous en prie. Prenez une bouteille de. Ça peut être le jus, ça peut être le vin, ça peut être le whisky. Tu verses ça au sol. Cherche là où il y a la terre. Ça peut être le gazon. Excusez-vous auprès de ces gens-là d'avoir mal pensé d'eux. Voilà, Mireille dit que la personne qui l'a reçue dans le pays, là, lui a fait ça dur. Ouvre-moi le chemin. Même quand si tu as prévu de voyager ce mois-ci là, que tu vas arriver là-bas, je t'assure, première chose que tu fais, la boisson qu'on va te donner dans l'avion là, tu ne bois pas. Dès que ton pied touche le sol, ouvre, tu verses. Donnez-moi la faveur ici. À mon avis, je vais te bloquer. Quand moi je fais mes directs, si tu m'écoutes pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 2 jours, 4 jours. Tu viens de me crier, aidez-moi, aidez-moi, je te bloque. Tu as compris? Je te bloque. Tu peux être dans ton pays d'origine, mais tu es bloqué. Depuis que tu es là-bas, Douala, tu es parti, tu as demandé la bénédiction de la terre là, quand? Quand? Vous là-bas, Douala, ou à Libreville, ou bien à Abidjan, là où vous êtes né, vous avez déjà demandé la bénédiction de cette terre quand? Ta mère, tu dis, ah, le pays, c'est trop dur. Voilà ce que ta mère dit, ton père dit la même chose. Tu crois qu'on ramasse l'argent? C'est ce qui est dans ta tête. C'est ce qui est dans ta tête. On dit, tu n'auras pas les papiers. Il n'y a que deux moyens. Hein? Soit tu vas te marier avec quelqu'un, soit tu fais l'enfant, soit tu demandes l'asile. Fais le stage bloqué de 2 jours. Je t'assure, jeune, tu te laves avec le sel et ton pipi. Tu écoutes mes vidéos pendant les 2 jours là. Si tu sors de ta chambre, tu n'as pas ta solution.
J'ai demandé pour le Congo jusqu'au fleuve Congo et ça marche. Voilà. Merci pour la rose, miel sucré. Tu es gentil. Les gens sont en train de m'écouter, vous m'écoutez, vous m'écoutez. Hein? Même la petite fleuve ne me donnait pas. Oh, l'argent, le succès. Je vous dis qu'il y a les gens qui vous ont accueilli dans le pays là. Quand ils sont allés vous déposer là, vous allez dormir. Ils sont rentrés, ils ont dit à leur femme que on va voir. On va voir. Elle veut nous montrer qu'elle connaît plus que nous. Allez en ligne vous renseigner. Tu as besoin de quelque chose, ne demande pas à ta cousine là. Pas sur Google. Pas sur Google. Bureau de ceci à Abidjan. Bureau de cela à Paris. Tu cherches, tu appelles toi-même. Tu appelles. C'est trop paresseux. Ah, tu veux tout partir. J'ai fait comment? Dis-moi. Dis-moi. Elle-même, elle a son travail. Une là est arrivée en France, elle me dit, ça fait il y a 2 semaines qu'elle suis chez ma soeur. Elle ne m'a même, elle s'est même jamais assise pour dire qu'on fait comment pour ta situation. Excusez-moi ma chérie, je ne m'en moque pas de toi. Hein? quand il venait au pays t'impressionner, tu crois que c'était vert là-bas, non? Et tu crois que c'était vert en Bengue, non? Tu es arrivé, tu as vu, non? Tu as vu comment il voit, non? 2 semaines, elle n'a même pas le temps de s'asseoir avec toi, 1 minute. Bonjour Nadine, bienvenue. Bienvenue sur Walima. Tu n'as pas besoin de connaître parler la langue totalement. Hein? Vous ne me connaissez pas, mon frère. Bon, je prends mon traducteur. Good morning. Ok, regardez. Métro, métro, métro. Yes, yes, yes. Chou, chou, chou. Train. Yes. Oh, that way, that way. Ok. Thank you. Ton baptême de main, c'est quand tu te perds dans le train. Tu dépasses ton arrêt. Tu dépasses ton arrêt, ton argent finit même. Tu n'as pas l'argent pour payer le ticket pour rentrer encore dans ta destination. Yes. C'est là que tu confirmes le code que Mbeng m'a baptisé. Mm-hmm. N'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur de faire vos recherches. Parce que quand tu recherches, ça t'ouvre les idées. Ça t'ouvre les idées. Ça t'ouvre les idées. J'ai commencé à vouloir parler de la Turquie tout à l'heure. Vous savez, la Turquie a beaucoup d'habitants. Le titre le pouvoir d'achat de la Turquie est énorme. Tu peux passer 2 semaines, tu marches avec quelqu'un, seulement pour connaître tous les coins. Tu pars en ligne sur YouTube, tu apprends à parler le. Oui, yeah. Teşekkürler, yeah, yeah. Mm-hmm. Merhaba. Mm-hmm. Tu répètes merhaba. Tu arrives, tu parles, tu rates même un peu la personne, te dit que non, on dit plutôt comme ça là. Tu dis, ah, thank you. Toujours le sourire. Quand tu parles une langue, tu ne parles pas bien, mais tu fais le sourire. Pareil. Merhaba. Merhaba. Mets ton sourire. Je vous dis toujours que les gens ne sont pas bêtes. Les gens sont les esprits. Il y a l'esprit en eux. Et je ne vais pas vous mentir. Quand on te voit, tu es pu. Que tu te laves avec le sel là. Que ça a ouvert tes chakras. Tu te mets devant un homme comme ça, ta tête brille. Papa, j'ai besoin du travail. Work, work. I need work. Me, no paper. Me, no paper. Oh. Please help. Please help. Work. Me, children. In my country, me no paper, but me food, eat, please. Ça fait 3 jours que tu arrives en Europe. Tu es en Angleterre peut-être. Il te refuse le premier jour. Tu viens le lendemain. Tu vois la poubelle qu'il a laissée dehors comme ça. Tu arranges la poubelle, tu arranges. Tu nettoies le sol. Tu commences à faire le travail que lui-même il ne t'a pas demandé.
Il passe, il regarde. Who took the bit the trash out? Oh, that. Qui a pris la poubelle? Bon, je parle en français. C'est que vous avez commencé à dire que j'ai mis l'anglais sur ça. Qui a pris la poubelle ici aujourd'hui? Ah non, il y a une femme qui vient souvent ici tous les jours à 7h du matin. Là. Elle vide ici avant qu'on arrive, c'est propre. On ne sait pas pourquoi. Tu vois, quand la nuit, les chats viennent, ils ramassent, ils fessent comme ça. Là. Elle vient le matin, elle nettoie tout. Après, ah oui, c'est la femme là qui vient souvent, c'est elle. Tu es venu 3 fois lui demander du travail. Il a refusé. Après, il te prend, il dit que, bon, il a vu ta volonté. Il cherche là où il va te mettre. Il te met quelque part qui sait que si on vient faire le contrôle, ce n'est même pas comme si c'était le travail. Il peut dire même au contrôleur que tu as mangé, tu n'as pas payé. Et il t'a dit d'aller laver les assiettes derrière. Il te donne d'abord ça. Vous pensez que vous souffrez? Vous pensez que vous souffrez? Vous parlez de quoi? J'ai ta soeur, tu attends qu'on te trouve les papiers de quelqu'un pour que tu travailles avec. Pour que tu... Oh Seigneur. Tu sais, le travail est dit ici. Il n'est pas trouvé le travail. Le monsieur te met, tu laves les assiettes. Tu viens le soir, tu aides son staff à finir de laver les assiettes. En échange, il te donne même seulement la nourriture tous les jours. Tu sais que ton frigo est plein. 2 heures de travail chaque soir, ton frigo est plein. Quand on voit, vous dites comme ça, j'ai fait les choses. Hein. J'ai fait les choses. J'ai fait les choses. La personne va voir 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Tu viens tous les jours à l'heure. Tu fais même plus que ce qu'on t'a demandé. Tu aides même les autres personnes et qui ne vont pas couper leur salaire pour t'aider. Tu les aides. Parce que chaque employeur aime savoir qu'il a un homme de confiance ou une femme de confiance qui va venir travailler plus que ce qu'on lui a demandé. Les dimanches comme ça, tu quittes de la maison, tu viens. Parce qu'il paye doublement ses employés. Et généralement, les dimanches, ils sont à court de staff. Tu viens là-bas. Tu sais, me no busy home. Me come here. Help. Il dit, ah, ok, thank you. Comme il est occupé, il va dire, va faire ça. Go and do that. Entre temps, ton anglais s'améliore. Après 3, 4 semaines, 1 mois, tu commences à dire, thank you. Yes, see you tomorrow. Ils voient que tu veux t'améliorer. Parce que les gens qui vont réussir ne restent jamais sur place. Mais les gens qui vont échouer, pas tu fais 5 ans, tu viens le trouver. Dans la même chambre, avec son petit coin de lit qu'on lui a donné, avec les mêmes plaintes, avec le même agent de poche. Je suis dans le centre, tu sais. Depuis que j'ai demandé l'asile, ça fait 9 ans. Je suis au centre, on étudie encore mon dossier. Oh là là, Seigneur. Quand j'étais en Europe, je voyais les gens qui pleuraient les papiers. Ils m'énervaient même à vie. J'arrive dans un salon de coiffure. Il y avait un monsieur Batoufam comme ça à Paris. Il coiffait. Il m'avait fait une coiffure d'ailleurs. Je suis sorti, on croyait que j'étais... Oh là là, ma face brillait. Oh my God. J'arrive, je m'assois, je regarde, j'observe les gens qui coiffent. Le monsieur d'abord, il était gentil. Tu arrives, oh ma chérie, assois-toi. Non, attends un peu. Hein. Il y avait les filles qui s'asseyaient 5 heures de temps pour attendre que le gars... Si quelqu'un ici là le connaît, vous me dites, un gars Batoufam qui coiffe à Paris. Je ne sais plus où j'étais partie, c'était Château Rouge, je ne sais plus. J'observe les autres femmes à côté. Quand tu arrives. Oui, à Satan. Et vous savez que dans les salons, les salons là, c'est chacun son coin. Tu peux arriver que c'est d'habitude une autre personne qui te coiffe ou bien tu es venu tester aussi. On t'a dirigé peut-être chez le gars. Tu arrives, quelqu'un te reçoit bien. Même si elle sait que ce n'est pas elle que tu viens chercher. Oh ma chérie, ok, tu cherches James. Non, il n'y a pas de souci. Viens, je vais t'amener chez là où il y a James. Viens. D'accord, nous voilà là-bas. Ok, assois-toi seulement, tu attends, il n'y a pas de souci. Tu as besoin de quelque chose. Ok, attends, il va t'apporter la chaise et s'assoit. Elle t'observe. Et moi, tu es serviable. Quand ta cliente vient, tu fais ta cliente. James a 5 clients, tu as 1 cliente. Elle observe. Et tu es tout gentil. Tu n'es pas fâché avec les clients de James. Quittez sur ma chaise. Quittez sur ma chaise. Oui, madame, allez vous asseoir de l'autre côté pour l'attendre. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sauve tes enfants. Après, tu dis,
je veux que tu me coiffes. Mais tu es sûr? Non, je veux que tu me coiffes. Seulement le sourire que je vois, tu as là. Ta bonne humeur. Je t'observe depuis, donc coiffe-moi, coiffe-moi. D'accord, d'accord. Ok, assieds-toi. Quand vous faites vos choses, faites avec le bon cœur. Pendant que tu as... Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous avez coiffé, vous avez fait les choses. Il était baganté avant. Hein. Tunga, je vais te chasser de mon direct. Hein. Il était baganté avant. Hein. Il est devenu Batoufa. Ah ah, il a embauché les... Il a embauché... Je ne sais pas s'il a embauché, mais quand je voyais James, quand je voyais, il ne s'appelle pas James. Hein. Quand je voyais le gars, je sentais que c'est quelqu'un qui allait loin. Écoutez, hein, le succès laisse des traces. Quand tu vois quelqu'un qui sera riche, même si toi tu n'es pas riche, tu le vois, la fille c'est là quelqu'un. J'ai souvent des gens qui me connaissent depuis ça fait 15 ans, 20 ans. Hein. Quand ils me voient aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils disent que non. Et toujours su que... Quand il était vieux, j'ai toujours su que... Parce que... Quand tu vois les personnes là, il y a une étincelle dans tes yeux. The spark in your eyes, man. Je suis arrivé en Angleterre, je faisais le sol. What is... I was a cleaner. Donc, je suis arrivé comme ça, 4 jours plus tard, ISS, l'agence de nettoyage, ils m'ont trouvé le travail là-bas. Et en Angleterre, je ne parlais pas anglais. Après, j'entrais dans les bureaux. On m'avait déjà donné les formules de base. Ok. Quand tu es arrivé, notre patron, notre superviseur, c'était un Jamaïcain. Il était tellement imposant. Quand tu nettoies, il voit une trace sur les tatas, il t'appelle. Hey, can you come back? What's this? Oh, can you wipe that out, please? Ok, il faisait des manières. Donc, quand j'entrais dans les bureaux, on m'avait dit, les formules sont les suivantes. Quand les Anglais sont assez patients, quand tu ne comprends pas ce qu'il dit, tu dis sorry, sorry. Et éventuellement, après le cinquième sorry, l'anglais va parler lentement pour toi. Donc franchement, vraiment, shout out aux Anglais. Les Anglais sont vraiment, les British, ils sont très accueillants. Donc, je me rappelle quand j'entrais dans les... J'avais au moins 20 bureaux à nettoyer par soir, en 2 heures. Donc généralement, il y avait 5-6 bureaux qui n'étaient pas occupés en journée. Donc tu savais que tu passais rapidement là-bas. Donc j'arrivais, il y a un monsieur en particulier. Il était un peu comme un albinos blanc. Il était très gentil. Et moi au début, je ne comprenais pas les blagues des Anglais. Tu arrives dans son bureau. Hi, yeah, oh my gosh, I thought you just took the big bag. Oh, ok, so just put it there, ok. Après, je regarde ça là. Je n'ai même pas compris un mot de ce qu'il a dit. Je dis, sorry. Et je me rappelle quand je commençais dans ces temps, en 2008, quand je nettoyais les bureaux là. Je me rappelle, je suis entré un jour dans un bureau, j'ai regardé le bureau comme ça. J'aurais un jour ma part de bureau comme ça. Ouais. Et il y avait la manager de tout le bâtiment là. C'était une Jamaïcaine métisse comme ça. Excusez-moi, elle était... très gentil avec moi. Je me rappelle, elle avait un accent qu'elle m'appelait souvent. Jocelyn, très élégante. Elle avait une petite BMW comme ça, la décapotable. Quand je regardais sa voiture, souvent quand on nettoyait le parking le soir, je lançais ma siège, je sais que j'aurais un jour la voiture comme ça. Ça, c'était vraiment, j'avais peut-être 21 ans. Mais... Et je me rappelle qu'il y a des rêves que j'ai émis à ce moment. En sachant que je parle du fait que je suis une jeune Africaine qui vient d'arriver ici. Je ne parle pas l'anglais. Je n'ai pas de... J'étais étudiante. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Et je savais... Je n'avais pas de diplôme. C'est-à-dire, je ne peux pas te dire que j'ai le diplôme de manager ou bien quoi que ce soit. Mais il y avait une conviction au fond de moi. Donc, j'ai des gens qui me rencontrent aujourd'hui, me disent, je t'ai connu en 2007. Oui, 2008 là. Oui. J'ai toujours su que c'est quelque chose qui est en toi. It's in you, c'est dans tes gènes. On ne devient pas riche. Tu es riche. Et quand on, même si tu as pas 5 francs dans ta poche, et les habits qui sont sur toi, c'est les habits de 500. Il y a quelque chose dans ton caractère. C'est pour ça que je vous dis de travailler votre caractère. Character development. It's very important. Et votre tête. Aujourd'hui sur YouTube, vous avez toutes les vidéos.
Moi, je vous ai vu, sur YouTube, j'ai l'université. Vous pouvez aller sur ma page YouTube, vous passez 5 jours, 24 sur 24, vous n'écoutez que mes vidéos. Au bout du 5e jour, vous avez encore au moins ce 300 vidéos encore à regarder. J'ai les vidéos en ligne comme ça. Je vous dis toujours, je l'ai dit dans la conférence l'autre jour, le succès, c'est comme les escaliers. Je suis à la marche 2 aujourd'hui. Hey, laissez que je monte seulement. Demain, je serai à 50. Toi qui étais à 2000, tu te moquais de moi. Éventuellement, je vais dépasser 2000. Après, je serai à 3000. Après, je serai à 4000. Et tu sais quoi? L'ironie, c'est que tu seras toujours à 2000. Voilà le mindset que j'ai. Moi là, mon frère, unstoppable girl. Pardon. Parlez pour vous là-bas. Oh, tu ne peux pas faire ça parce que c'est pour vous là-bas. That's for you. Je sais qu'elle va trouver une voie. Et ça commence toujours dans ta bouche. Ça commence dans ta bouche. Personne dans notre ville, dans notre famille n'est jamais parti dans tel pays. Tu crois que tu vas faire comment? La caution là-bas, c'est 25 millions. Hein. L'école là-bas, c'est 25 000 dollars. Tu vas faire comment pour payer? Ma chérie. Oh Dieu, 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 Dieu. À l'époque, quand mon père m'a amené en Belgique, quand j'étais au Cameroun, j'avais 15-16 ans, je rêvais de partir en Angleterre. Et je savais que mon père ne pouvait jamais sortir. La caution à l'époque, c'était dans les 18 millions. Je savais que cette somme, vu le nombre d'enfants que mon père avait, il n'allait jamais, jamais prendre ces 18 millions. Et mettre que voilà, Jocelyne va en Angleterre. Mais c'était un rêve que je caressais dans mon cœur. J'ai tourné sur la partie en Belgique. J'arrive en Belgique. Donc, le trou se creuse, même pas que la fenêtre ou la porte. Le trou s'est creusé. Il savait que mon copain avec lequel j'étais, il connaissait un directeur d'école. Parce qu'en Angleterre, à l'époque, pour créer ton entreprise, même l'école, tu pouvais partir, tu déposes, tu crées l'école et tu as l'accréditation. La personne passe avec ça à l'ambassade. Il connaissait un Béninois là qui avait l'école, l'université. Ils appelaient ça high school. Non. Oh, how do they call it in England? Tu vois, quand tu. College. Yeah, it's like a college. Yeah, something like that. You know, if you remember, just write it down. Thank you. Donc, il me dit, j'ai trouvé mon ami. Parce qu'à l'époque, pour trouver l'inscription, il te fallait payer au moins dans les 2-3 millions. Un peu comme ça. C'était même que toute la pension. Et mon copain et moi, on n'avait pas les dos. Il me dit, j'ai rencontré un Béninois. Il m'a dit qu'il va te faire l'invitation. Je vais seulement lui acheter quelques billets. Je dis, hein? Voilà comment j'ai fait l'inscription pour partir en Angleterre. Comme ça, comme pam 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 pian. Quand le Seigneur dit je vais ouvrir un chemin, je vais créer, j'ai encore un make a way. C'est pourquoi quand tu vois la fenêtre ou le trou, tu sautes. Tu restes peut-être. Mon numéro de téléphone, je vais vous le donner dans 30 secondes. Donc, cherchez de quoi noter, s'il vous plaît. Vous savez comment c'est le business. I need money. I don't need money, but more money would be good, you know. Plus d'argent, ce serait bien. Yeah. Cherchez de quoi noter. Non, Léo Chanel, quand tu me dis comme ça, ça veut dire que tu dis que j'ai beaucoup de chance. Ça veut dire que pour toi, ça ne peut jamais t'arriver. Hein? Tu as la chance. Hein? Commencez à dire sur votre vie même que j'ai la chance. Je suis la fille la plus chanceuse que je connaisse. Oui. C'est le jour où j'arrive qu'on ne va pas contrôler le passeport à l'aéroport. Le jour là, la machine là sera gâtée. Tu arrives, on te dit, oh, I'm sorry, we got problem with our machine, you know, so you're just gonna go manually. Tu vois, on te fait passer à la main, on fait seulement le cachet comme ça, là. Pendant une heure de temps, les machines de l'aéroport ne marchent plus. Tu vois, là que tu passes, non. Tu vois, là que tu passes, non. Bon, je donne le numéro. 00-237-693-50-22-66, deuxième numéro. 00
237 680 71 07 01. Troisième numéro 00 237 655 31 07 50. Je vous ai dit que votre premier frein, c'est votre entourage. Une femme est venue me dire qu'en juin, quand elle a commencé à m'écouter en juin, elle était dans la chaise roulante. Je ne connaissais même pas qui elle est, je ne la connaissais pas. Elle vient me voir en août, elle marche. Elle me dit, je suis partie, en deux mois, je suis partie de fauteuil roulant à deux béquilles. De deux béquilles à une béquille. Une béquille, me voilà, je marche pour venir te voir pour donner mon offrande. Vous parlez de quoi? Donc 237 680 71 07 01. Le deuxième, c'est le 655 31 07 50. I don't want people to know I speak English. Why would I? These pages are mainly French. I opened an English TikTok, but I'm still trying to download some stuff on it. Because I'm so busy with the French people, so if I take the English side, I would not even be able to sleep. So French is already keeping me so busy. That's why I haven't really launched the English side. So by the grace of God, I'll be able to do it maybe end of September. Yeah. Okay. Bonjour, la reine Bella. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, je veux que vous sortiez aujourd'hui, sortez cette nuit. Si vous êtes à l'étage, c'est parfait. De là où je suis, j'ai une vue sur Libreville. Donc, je suis au troisième étage, vraiment, je vois toute la ville, quoi. Demandez à cette ville de vous parler. Oh, je t'en prie, Gédéon. Oui, j'étais venue en enfant. Je suis restée l'année passée. Dieu m'a dit, va encourager. Je suis allée en enfant. Je vous ai encouragé. J'ai parlé gratuitement aux enfants là-bas, oui. Je suis allée peut-être une ou deux fois. J'ai passé 2 heures de temps aux enfants de terminale. Oui, terminale. J'ai parlé, j'ai passé du temps. J'ai parlé avec les enfants l'année passée, bien même. Je suis allée, j'ai présenté mon projet au proviseur. J'ai dit, voilà, permettez-moi d'encourager un peu vos enfants. Ouais. Donc, je suis passée en enfant l'année passée. C'est un des collèges de Douala. Dangenet, tu dis que tu avais ton bâton de commandement, tu es parti à l'office français. On contrôlait tout le monde, il y avait le rang. Arrivé sur toi, on a dit que passe. Tu as fait ta déclaration avec le bâton de commandement. Et tu avais ça sur toi. Ça, c'est super. La puissance de la parole. Pretty Wise, bienvenue alors. Parlez à cette ville. Qu'est-ce que tu as comme richesse que tu peux me donner? Qu'est-ce que je peux apporter ici qui va aider cette population? Troisième chose, je bénis cette ville. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les villes comme ça, vous insultez la ville là jusqu'à... Il y a quoi à Douala? Pardon. Pardon, il n'y a rien ici. Vous êtes bien là-bas, vous êtes bien là-bas en France. Donc, sincèrement, tu envoies de l'énergie positive à la ville où tu te trouves. Si tu fais ça au moins pendant 4-5 jours, tes portes ne s'ouvrent pas là-bas. Vous savez, même la Tunisie, le Maroc, là, où vous dites que vous êtes rejeté là. Tout est onde. Tout se passe sous forme d'onde, d'énergie. Tu arrives au Maroc, on t'a dit que les Noirs ne font rien ici. Hein. Les Noirs ici là, ils sont eux qui font les petits jobs là.
te couches dans la nuit, Dieu te montre comment tu es en train de faire, tu conduis les grosses voitures, tu aides les gens, tu te réveilles le matin. Non. Ce que tu vois dans la nuit là, tu as commencé à parler ça dans la journée. Et tu dois refuser. Refuse ton environnement. Parce que, surtout ceux qui sont à Dubaï, ceux qui sont en aventure. Peut-être que tu m'écoutes comme ça, tu es couché, tu ne sais pas ce que tu vas manger le soir. Si tu es seulement là, on s'est dit que la fille, elle ne connaît même pas ma situation. Elle ne connaît pas. Écoute, ce n'est même pas par hasard que tu es tombé sur ma vidéo. Ce n'est même pas par hasard. Maintenant, certains vont écouter, ils vont dire, une autre fille qui n'a rien à faire samedi soir, elle a besoin de... Ouais. Une autre personne va se dire, ce qu'elle dit là, c'est vrai, l'autre jour, j'ai quand même, j'ai eu l'idée là, mais après, j'ai oublié. Prends la bouteille d'eau. Prends la bouteille d'eau. Bonsoir, Adama, je vais bien. L'eau, le jus, le vin, le whisky, peu importe ce que tu trouves. Sors. Verse ça sur la terre là-bas dehors. Et les dieux de Dubaï, les ancêtres de Dubaïens ici là. Vraiment, je m'excuse. Je suis venu ici là. Je ne vous ai même jamais prêté attention. Donc je ne vous ai jamais regardé, vous n'avez jamais parlé. Pardonnez-moi. J'étais bête. Comme nous voici ici là. Ouvrez-moi les portes. Je suis fatiguée. Regardez. Regardez là où je dors. Je vois les gens avec les grosses voitures ici, non? Je sais qu'il y a moyen de s'en sortir ici. Je sais. Montrez-moi le chemin. Montrez-moi le chemin. Comme ça, après tu bénis la ville là. Demain, quand quelqu'un va venir vouloir te mal te parler des gens de Dubaï, ah, tu sais, ah, parfois tu es tout les Gabonais m'énervent. Ah, les Français sont racistes. Les Français m'énervent. Ma chérie, c'est pour ça que tu n'as jamais épousé un Français, parce que tu détestes les Français dans ton cœur. Ta vibration là, ça se sent sur toi. C'est pour ça qu'il t'approche, après il part, il fuit. Vous parlez bien sur le site de rencontre. Après ça, bien, il est parti. Hein? Mais c'est quoi avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ta bouche la gâte. J'ai dit que Thérèse ne me dérange pas quand elle donne mes instructions. J'ai dit que ça doit toucher la terre. Si elle a la terre devant ta porte, tu restes devant la porte. Voilà. Pas mieux me demander des choses. Héloïse, merci pour tes cœurs. Merci pour les fleurs, Héloïse. Merci pour les fleurs que vous m'offrez. Spiritual woman, I don't know if I'm spiritual or not. All I know is that I am. If that means I'm spiritual, maybe. Tu dis que ma soeur dit que tes conseils l'ont beaucoup aidé avec ton passage à mon enfant. Waouh! Ça, c'est super, ça. Je me rappelle, j'avais parlé aux enfants de terminal là-bas. Donc, elle dit qu'elle se rappelle de ce que je lui avais dit. Ça, c'est bien. Parce que nous, on a souffert là-bas au Cameroun, on grandissait. Personne ne t'avait jamais dit quelque chose. Tout le monde dit, passe. Tu passes le CEP. Passe, tu passes le probatoire. Passe, tu passes le bac. Va à l'université. Tu t'assois dans l'université alors. L'être moderne. Histoire de la géographie. Science de licence. Passe. Master. Mais papa, je vais gagner l'argent quand? Vous avez un peu lavé les cerveaux des enfants là. Comme vous êtes là, comme ça là, vous êtes sur le banc. Quand tu vas passer le bac là, tu vas partir donner à la banque, on va donner l'argent. Au Cameroun, on ne donne pas d'argent pour le bac. Ni de licence, ni de master. Personne n'a jamais eu un diplôme. Il est parti à la banque, il a donné.
La banque a sorti 5 millions, on lui a donné. Jamais. On ne paye que pour un service que tu as rendu à quelqu'un. Oui, Sciences Éco. Tu as fait Sciences Éco, ça t'a donné quoi? Oh Seigneur, aide mes frères et sœurs, aide-nous, Seigneur. Bienvenue ceux qui viennent d'arriver. Aide-nous, Seigneur. Comme ça. Depuis 3 mois, Dieu te dit, fais les TikTok. Fais les TikTok. Est-ce que tu connais que sur TikTok, tu n'as pas besoin d'avoir 500 000 followers pour vendre les choses? Bonsoir, Romia de Dubaï. Non, tu n'as pas besoin. Tu as tes petits 50 abonnés là. Tu pars, tu cherches la valeur, tu viens là, tu leur montres. Comment vendre tes choses? Comment fabriquer tes choses pour vendre? Comment fabriquer le gel douche par exemple? Comment faire les beignets pour vendre? Comment, tu ne sais pas, apporte de la valeur aux gens? Quand vous m'écoutez comme ça, je sais que le soir, c'est dans le livre, votre tête va commencer à sciencer. Ma calcul, ma plan. D'accord, ça veut dire que je peux encore partir aux États-Unis? Elle a dit que je peux. Oui, je te dis que tu peux. Oh, oui. Donc, c'est possible. Oui, je croyais que comme mon père n'a pas l'argent et comme ma mère n'a pas l'argent. Oui, c'est possible. L'être moderne. Oui, yes, Seigneur. Ah, user, tu as rêvé de moi. Hein? Oui, beaucoup de personnes rêvent de moi. Tu prends ton papier, tu écris. Je vais encore organiser un autre séminaire. Abidjan, je vais sûrement faire début octobre. J'ai encore envie d'organiser des séminaires. Je veux vous solidifier. Tout ce qui vous manque pour avoir l'argent, c'est de te lever. Que tu crois que je peux. Mais attends un peu. Souvent, je vois les moyens dont les gens se font de l'argent comme ça. Ça m'énerve même. Que donc, donc tu t'as... Donc tu t'assois, tu pars sur AliExpress, tu achètes. On poste dans tel endroit. Après tu achètes à 2000. Tu viens nous vendre ça à 12 000. C'est tout. Ok. D'accord, d'accord. Donc tu... Il y a les moyens très bêtes de se faire de l'argent. Very silly. Mais la personne là... apporte de la valeur. Mais les porteurs au marché, porteurs, carry your bag. Si moi, je pas devenir porteur là, je vais faire 2 semaines, je vais seulement acheter les brouettes, je vais employer d'autres personnes. Moi, quand je pas dans un business, je vais seulement, ok, si je travaille 8000 la journée et que chaque semaine j'achète une brouette, ça veut dire qu'au bout de 10 semaines, je peux avoir 10 employés brouetteurs. Ou c'est brouetteurs, si c'est porteurs, si c'est n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça qu'on réfléchit. Bonjour Ibrahim, le potéolier, je vais très bien. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Ton objectif maintenant, c'est d'acheter seulement les brouettes. Oui, 3, 4, 5 jours, bam, une brouette. Ce qui fait que soit tu loues même les brouettes aussi. Parce que avant, quand tu faisais là, tu partais louer quelque part, non? Tu partais louer, non? N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, tu es devenu propriétaire d'une brouette. Tu travailles encore. 2 semaines, tu as encore l'argent d'acheter ou acheter la deuxième brouette. Tu peux acheter. Maintenant, tu deviens propriétaire et tu deviens loueur. Le genre de personne là va devenir milliardaire, c'est dur. Parce que quand il va commencer, ce qu'il fait sur les brouettes là, il va faire. À un moment, il aura même 100 brouettes, c'est dur. Après, il va dire que, mais j'importe les brouettes de la Chine. Moi, ma tête voit toujours loin. Quand il commence quelque chose, jusqu'à voir comment le système là, il veut seulement que tu vas acheter que les brouettes pour vendre. Oui. Donc j'achète en Chine à 3000, je viens vendre cela à 33 000. Ouais, moi c'est comme ça, j'ai moi les longs yeux. C'est comme ça. On dit, mais ça fait 1 an et demi, tu faisais la boîte ici, non? Oui, la mère. J'ai eu une vision, j'ai écouté un jour la reine du miel, elle m'a donné la vision. Ouais, je faisais le poisson braisé,
J'avais ma cousine avec, à la maison avec moi, elle faisait rien. J'ai employé ma cousine. Pendant qu'elle brisait mes temps pour moi, je sortais pour faire autre chose. Elle travaille 5 000 le soir. Je prends 2 000, je lui donne, je prends 3 000. J'ai acheté le matériel. Tout le fonds de commerce, c'est moi qui ai donné. Oui. Donc, vos pays où vous dormez là. Dans les pays, peut-être comme les pays des Arabes, tout est en ligne. Va en ligne, tu te documentes sur la culture du pays où tu te trouves. Je viendrai à Dubaï. Ne vous inquiétez pas, je vais venir. Documente-toi sur la culture. Supposons que tu es à Dubaï. Va chercher en ligne comment est-ce qu'on prépare les repas que les gens de Dubaï aiment manger. Tu regardes. Pas même dans un restaurant comme ça, là, tu regardes. Tu payes même la mère du restaurant, là, elle te montre comment on prépare ça. Maintenant, on va voir un noir qui vend le couscous des Arabes. Aux Arabes. Si on a les Chinois qui vendent le ndolé aux Camerounais à Paris, pourquoi tu ne peux pas être un bami à peau noire qui vend le couscous algérien aux Algériens, en Algérie? Augusta, j'ai jamais été à Dubaï. Donc je saurais te dire, je t'ai demandé de te familiariser avec la culture. Quand Dieu te dit que c'est pas possible, ne t'inquiète pas, ça ne sera pas possible pour toi. Tu as compris? Voilà. Quand vous commencez à dire que c'est pas possible. Ça veut dire que toutes les idées qui vont venir après ça, tu vas me voir knock. Forcément knock. Ah, la reine, il n'y a rien. Hein. On ne peut rien faire ici à Dubaï. Tu peux aller au marché, tu achètes les choses, tu envoies aux gens au Cameroun, ils vendent. Quelqu'un a son magasin au Cameroun, tu as le bon goût, ma chérie, tu as le bon goût. Tu as du goût. Quand tu portes tes habits, c'est bien. Même quand tu étais au pays, tu t'habillais bien. Tu pars au marché, tu dis, bon voilà, tu poses ton statut que je fais vos courses ici, là, moins cher. Ce que tu achètes au pays à 4 000, je peux te prendre ici au Dubaï à 1 500. Voilà, vous voyez deux commentaires dans un même direct. Auguste a dit, ma reine, elle dit que c'est impossible pour les repas des Arabes. Voilà Ange Fanel qui dit, je vis à Abu Dhabi. Et il y a plein d'opportunités. Deux personnes dans un même pays qui pensent comme ça. L'autre dit qu'il y a des opportunités, l'autre dit que c'est impossible. Ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez que la sauce que vous avez tournée vous-même. Vous allez manger ça avec votre couscous, votre propre couscous. Tu vas mettre la propre sauce de ton propre couscous que tu as tourné. Donc si tu avais fait nier par le sel dedans, tu vas lire, tu vas confirmer le code. Moi je suis à Dubaï. C'est possible seulement. Mes 7, c'est quoi, mamie? Les Africains travaillent trop en back office. Bon, je ferai un direct sur Dubaï peut-être. Comme ça, ceux qui s'en sortent là-bas peuvent dire aux autres comment ils s'en sortent. Mais je pense que généralement, vous attendez trop que les gens fassent quelque chose pour vous. C'est ça qui vous bloque. Donc vous attendez trop et vous aimez le copier-coller. Elle fait comment? Pourquoi tu ne copies pas ce qu'un arabe fait? Tu veux copier ce que le Camerounais fait? Pourquoi? Ah, le mindset est... L'anglais élastique. Je te comprends. Elle écrit le mindset. M-A-N-S-E-T. J'ai lu ça et comprenais pas ce que ça veut dire. Même dans ma j'essayais de vous, ça veut dire quoi? Je pense que quand vous copiez, vous préférez regarder quelqu'un qui est un peu en bas. Aim high, vise plus haut. Vise haut. Cherche quelqu'un qui est en haut. Et j'ai vu le TikTok du gars ici. Waouh, il a 1 million d'abonnés. Il est à Dubaï. Il parle même de quoi? Regarde. Ah, c'est une vidéo. Tu peux pas faire ta part comme ça. Le Koweït, franchement, c'est un pays. Mais je sais quand même que même si c'est au Koweït, comme maintenant que j'ai mon téléphone là, ça va aller. I go walk up. Mm-hmm. Et aussi, j'ai toujours dans le passé utilisé mes blocages comme source de revenus. C'est-à-dire, si j'arrive au Koweït, je suis bloqué.
Je n'ai pas la facilité d'envoyer l'argent au pays. Je n'ai pas la facilité d'envoyer les colis au pays. Je me dis que si j'ai ce problème ici, ça veut dire qu'il y a 50, 100, 200, 300 personnes. Comment donc envoyer de l'argent au Cameroun si tu n'as pas de papier? Tu contactes quelqu'un qui est au Cameroun, tu essaies de trouver quelqu'un qui est au Koweït aussi. Vous commencez à faire le service Orange Money. Tu as été bloqué une fois pour envoyer l'argent. C'est devenu pour toi une source d'inspiration pour aller faire un business dans ce sens-là. C'est bon, je vous ai assez donné l'énergie ce soir. Tu vois, le projet, ton chéri ne veut pas donner l'argent. Hein. Il fallait venir dans mon atelier. J'ai monté dans le séminaire qu'on a fait l'autre jour. Là. C'est la conférence même. Donnez le nom que vous voulez. Tout ce que c'est qu'ils se sont assis, j'ai parlé. Ils ont vu. Après, ils ont dit que, ok, je peux. Je leur ai montré comment défier le je n'ai pas l'argent. Parce que ça, c'est votre problème. Beaucoup d'entre vous. Ah, je n'ai pas l'argent. Tu crois que qui va venir investir sur ton rêve? Il est crèze. Il est crèze. Merci Pierre Avey. Moi, je laisse mon argent. Je laisse mon rêve. Je prends mon argent et te donne. Réalise tes rêves, ma chérie. Je t'ai toujours aimé, vraiment. Tu es bête. Tu as compris, ma chérie? Tu es bête. Tu es bête. Mais les crises. Vicky, même si je suis fatiguée n'importe comment, si je dois faire un truc ici, là, je fais. Si Dieu me dit, va dire ça, je vais pas d'abord dire. Parce qu'il connaît que ça va vous aider dans la nuit. Ce que je viens de dire là, il y a au moins 400 personnes que vous allez ressentir, ça va vous aider, ça va vous donner de l'inspiration. Parce qu'à cette nuit, tu vas te lever à 4 heures, tu vas commencer seulement à écrire. Tu vas te lancer finalement dans le coaching là. Tu vas lancer ta page TikTok, ta page YouTube, tu vas lancer une fois. Oui. Bon, voilà. Pierre Hervé, je te bénis. Allez, envoyez-moi des fleurs, je vous donne quelques bénédictions. Pierre Hervé, je t'envoie de la bénédiction. Ma chérie, je ne vais pas m'en prier pour les prophètes du Gabon. Je vais juste prier pour qu'il l'éveille. Je prie que le Gabon s'éveille. J'enlève la tristesse, je mets le bonheur dans le Gabon. Au nom de Jésus. Je déclare, j'enlève la tristesse, la solitude. Maëva, je te bénis. J'enlève tout voile sur ton visage. Au nom de Jésus. Crescence, je te bénis. Grâce divine. Nouveau business, nouvelle opportunité pour cette semaine. Au nom de Jésus. Miel sucré, merci beaucoup. Je te sors de toute isolation. Bon, moi, tu as des rêves, tu as essayé de réaliser des choses, ça t'a un peu, tu as échoué, ça t'a un peu découragé, miel sucré. J'enlève le découragement de ton cœur, miel sucré, au nom de Jésus. Bon, merci pour les fleurs. Pierre Hervé, Pierre Hervé. Je te fortifie. Laïla, comment tu vas, Laïla? Laïla, j'ouvre tes portes. Je déclare que toute barrière qu'il y a eu sur toi, pendant cette nuit quand tu dors, les anges opèrent sur toi. Les cas qui restaurent ta vision. Les cas qui restaurent tes projets. Dina Sandy, tout ce que tu as écouté dans ce direct, je viens solidifier. Voilà. Ceux de Facebook qui ne peuvent pas faire d'offrande, allez faire sur PayPal ou bien sur Orange Money. J'ai donné beaucoup de choses ici qui sont très spirituelles. Et beaucoup d'entre vous, vous étiez dans des blocages familiaux. Donc, allez faire une offrande pour sceller ce que vous avez reçu. L'offrande scelle ce qu'on a fait. Donc, l'offrande, c'est comme la cale que tu mets sur la voiture. Voilà. Genre, le niveau où je suis arrivé, c'est là, je me bloque là-bas. Je dis ça que je déclare que je ne vais plus rentrer en arrière. Merci pour le bouquet, Inès. J'ouvre tes yeux pour les nouveaux modèles que tu vas faire. Nouveaux modèles. Nous libérons ces prophètes au nom de Jésus. Il ne faut pas avoir mal pour eux. Je prie juste pour eux, c'est tout. Amiral, je te bénis.
Enlève la peur et la honte de ton esprit. Et tout blocage familial venant de l'enfance, de papa ou de maman, ils ont essayé de t'intimider. Je viens enlever au nom de Jésus. N'oubliez pas d'aller sceller ce que vous venez de vous. Généralement, je ne fais même pas ça tous les directs. N'oubliez pas de sceller ce que vous avez reçu par une offrande. Le monde spirituel fonctionne avec des règles. Ma chérie, si tu viens de créer la société, il y a les sacrifices que tu dois faire. Fais-moi une offrande même pour commencer. Tu penses que le business va décoller seul? Ne vous leurrez pas. Hein. Ne vous leurrez pas. Ngesam Ida, tu vas faire une offrande chez moi. Tu as compris, Ngesam? Tu as compris, ma chérie? Parce que c'est chez moi, j'ai parlé, tu as compris, non? N'est-ce pas? Voilà. Cette offrande, c'est pour sceller ce que tu as reçu quand j'ai parlé. Tu as compris, ma chérie? Mm-hmm. J'étais ancrée dans la peau. Niokalaise, les conseils TikTok, merci. Merci pour la rose. Niokalaise, si je parle avec toi, c'est payant. Mes conversations sont payantes. Mon numéro, c'est le 00237-655-310750. Merci pour la rose, Pierre Hervé. Daniel, merci. Donc vous passez une bonne soirée sur Facebook.